ça va quand même assez bien jusqu'à maintenant. On va faire le truc du marteau. J'ai bien hâte de voir quand même... ça va ressembler à quoi l'explorateur? Je vais aller voir juste après, je suis quand même curieux. Bon, mon guess, c'est vraiment des rayons laser. Éclaté. 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 Petit peu de concentration. Merci. Hop. 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 Ouh, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, ça. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Le chat s'est fait toucher le tra-la-la. Qu'est-ce qui s'est passé? On va se battre contre les deux avec les marteaux. Let's go pour battre les deux. Check ça, check ça, check ça, check ça, check ça. Ah, check ça, prise 2. Et je pense que vraiment la meilleure strat, c'est vraiment de charger notre marteau au maximum. Oh! Les deux hits! Oh, mais ça fait tellement mal! Ça fait tellement mal! Genre, littéralement, quand je charge le marteau au maximum, je fais des dégâts de fou! Je pète des gueules, littéralement! Assez impressionnant. Est-ce qu'on va améliorer le... Oui, allez, on va faire ça tout de suite. On va aller juste au village, très rapidement. On va aller faire l'évolution du... l'explorateur, parce que comme Nessie a dit, moi aussi c'est une transformation que j'apprécie vraiment beaucoup. J'espère que c'est un truc avec genre les rayons laser, que ce soit ça. Kirby commence bien son arrivée en 3D, je trouve. C'est ce que je trouve aussi. Il y a beaucoup de gens qui disaient comme quoi que la 3D était pas vraiment bien optimisée dans les reviews que je lisais, mais personnellement ça me choque vraiment pas. Genre personnellement, ça me dérange nullement. Je trouve le jeu bien fait et j'ai pas de problème côté 3D. Je comprends pas les gens qui disent que comme la 3D est des fois mal faite, mais non, moi perso ça me choque vraiment pas. Bon, la puissance est plus bas. Ok, vous voyez que la puissance est à 1, la rapidité est à 4. Là on est rendu à une puissance de 4 et une rapidité de 2. C'est sûr et certain que c'est un choup de whoop, un rayon laser, c'est un... C'est sûr que c'est une espèce de gros truc. Là on n'a pas le choix, là. On est rendu dans la puissance les gens. C'est sûr certain que c'est un rayon laser, c'est impossible que ce soit pas un rayon laser. Je le savais! On va tirer avec notre rayon laser. Checkez-moi ça, le rayon, c'est parti. En plus, on est une petite astronaute, let's go! Check ça, on va aller éclater le petit sac. Attention. I'm firing my laser! Tellement parfait. Ok, attends, si je le charge à moitié. Ok, si je le charge un coup. Ok. Merci Kali pour la taxe de séjour. En plus, c'est arrivé exactement quand on utilise de tirer des gros rayons laser. Avec notre pouvoir vraiment trop fort. On va s'en mettre en dragon par contre. Let's go avec le dragon. Fait que finalement, Nessie, je pense que t'acceptes le costume. Hein. Le costume, il est parfait, ma foi. Donc, on est parti de Indiana Jones en pirate et là, un freaking laser gun, clairement. Ça fait longtemps que je suis là, mais on a pas de problème, Kate. Écoute, j'ai-tu dit assez de conneries à ton goût ou pas assez? Centrale électrique trépidante, t'es sûrement en train de te faire à manger. Et de toute façon, je sais pas si t'étais là au début, mais je risque de finir ce niveau et après, je vais finir le stream. Ça risque d'être un stream un petit peu plus court. Pas assez? Comment ça pas assez, Yashar? Qu'est-ce que t'es en train d'expliquer? Ok, ça, sérieusement, ce plan...
T'as tellement pas l'impression d'être dans un jeu Kirby. Genre, tu regardes ça, t'enlèves la petite boule rose qui est à gauche. Là, mettons, comme je me cacherais comme ça, là. Tu penses que j'ai... Attends, on va faire comme si je suis une lanterne. Tu regardes ça, puis tu fais... C'est pas vraiment un jeu Kirby qu'on est en train de jouer. Non, c'est vraiment pas ça. Oui, je me fais à manger entre mes choses. Je comprends. Indiana Jones, Jack Sparrow et je dis tout Yann. Yann. Mais Yann, plus avec un Y. C'est Yann Solo, 3 formats parfaits, quoi demander de mieux? Ben oui. Écoute. J'ai le temps. Le cap, pas de problème. On est vraiment comme dans une... J'ai vraiment joué avec le feu. Ok, c'est ma blague pas drôle, merci. C'est vraiment... Ça m'a tellement fait le saut, aussi. J'ai tellement eu le saut, j'ai fait comme... Okay. Oh, attends, le taureau vient. Viens, taureau. Attends, viens, viens, taureau, viens. Attends, viens, taureau. Viens, taureau. Oh, et ben finalement, il... Il a vraiment continué son chemin jusqu'à l'autre bout du monde. Quoi? Non. Non. It was all part of the plan. Tout était prévu. Ouais. Le pire, c'est que je sois pas mort, j'ai vraiment pas compris. Parce que tu sais, normalement dans les jeux Kirby, quand tu te fais hit, c'est genre tu meurs directement. Et là, c'est pas arrivé. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a clippé ça! Faites pas le choix, faut qu'il y ait quelqu'un qui a clippé. S'il y a personne qui a clippé, sérieusement, je m'en veux tout le restant de ma vie. C'était parfait quand même. Est-ce qu'on peut monter sur. Oh! Oh, mais... T'es tellement smart comme personne! Tellement intelligent, Mad Bob! Tu trouves des emplacements que personne n'aurait trouvé! Smart. Ça t'est passé à l'usine volcanique de Star Wars et moi je vais répondre par ça. Va écouter Star Wars! Mad Bob, ce génie des temps modernes. Écoute, je suis un génie des temps modernes, mais même sans vouloir. C'est ça qu'est-ce qui est assez spécial de la chose. C'est que sans le vouloir, je deviens un génie des temps modernes. Ça, c'est avec la taupe, sûrement. Ah non, ça ralentit. Ok, ça vient d'où, génie des temps modernes, c'est que tu as commencé à dire ça et c'est vraiment aussi simple que ça, Nessie, il n'y a vraiment aucune autre raison. Ah non, mais t'es sérieux, attends. Attends, faut juste que je me concentre un peu. Faut que je m'amuse à esquiver les flammes. Pour ensuite me rendre jusqu'à... Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Juste me concentrer. Mais non, ça vient littéralement de ça vient de rien. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est juste que je disais comme quoi que ben, je suis smart comme gars. Je pense que j'ai juste sorti un moment donné dans ma connerie humaine. J'ai juste dit, ben, génie des temps modernes. Et je pense que dans Shanté, si je me trompe pas, si tu regardes, t'as-tu tout regardé de Shanté ou pas encore? Parce que à l'intérieur de Shanté, je pense que ça l'arrive assez souvent parce que c'est une génie. Donc je pense que ça l'arrive quand même assez souvent que je dis génie des temps modernes. Dans Shanté. Plan pour sommeil profond. Mais quelle est l'utilité d'avoir un plan pour un sommeil profond? Sauf que je meurs. Non, je suis à l'épisode 5. Écoute, si jamais t'entends un génie de temps moderne, tu vas savoir, ça date vraiment depuis un bon moment. Non, je ne vais pas dormir. Merci, bye! Oui?
Oui, je te confirme, mais je savais pas si tu avais commencé là. Non, non, je pense que... Ouh, attends. Mais je pense que ça date depuis vraiment quand même un bon moment. Non, j'ai pas passé le Seven Sirens. J'ai gardé ça de mon côté. Parce que je voulais juste y jouer, puis il y avait pas vraiment de raison de... Je démolis ça. Il n'y avait pas de raison en particulier que je monte le stream ou non, donc... J'ai juste streamé à ce moment-là et c'était pas enregistré. Mais par contre, le marathon de Ocarina of Time va être sur la chaîne, donc si jamais vous n'avez pas tout vu au grand complet, vous allez pouvoir le regarder. On doit passer à travers ici, parfait, merci. Badbob, as-tu écouté Sonic 1 vu que Sonic 2 sort le cinéma le 8? Non, j'ai toujours pas regardé Nickelodeon. Mais je compte bien faire un watch party, probablement, de Sonic 1. Je sais pas exactement quand, ça se peut que ça soit la semaine prochaine, ça dépend vraiment de Kirby. Si Kirby est fini jeudi, ça risque d'être probablement la semaine prochaine qu'il y ait une écoute de film et que je vous tiens au courant, ça va être à quelle heure qu'on regarde le film. Le stream risque d'être plus tard, donc en gros que je vais juste parler probablement avec certaines personnes. Et après on regardera le film. Ça risque d'être juste un film de regarder, il faut avoir Amazon Prime bien entendu pour pouvoir regarder le film. Et ça je vais vous en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Et comme qu'est-ce que Yann Keller dit, non Sonic 2 n'est pas sorti ici malheureusement, il sort ce vendredi. Non, exactement, ils sortent le 8, parce que nous, nos films sortent le vendredi, ne sortent pas le mercredi, ils sortent le vendredi. J'ai oublié de te le dire, mais après ton marathon, j'ai refait Ocarina of Time, je t'avais dit que le Temple de Feu était ma béton, et finalement, j'ai le runné full rapidement. Good job. Écoute, des fois, c'est avec le temps et le talent qu'on devient meilleur à faire quelque chose. Puis des fois, on est vraiment comme... On a dans notre tête... Et je n'avais pas vu cette partie de ton stream, c'est exactement vrai en plus que tu n'avais pas vu. Plenum du Conseil des Bêtes. Ouh! Ok, j'aime bien quand même le nom du niveau. Ça sonne genre... Pum, pum, pum. Entre y avait vendredi 1er avril. Oui, mais je pense qu'ils ont dit on va pas sortir un film le 1er avril, ça pourrait être une joke. Comme on dit si bien. Une bonne joke. Et qu'ils se sont dit ils n'ont sûrement pas sorti. Je sais pas pourquoi ils l'ont sorti une semaine après. Hein. Marteau, glace, épée... Pff, non. Ouh, ok. On bat tous les boss qu'on a battus jusqu'à maintenant. Let's go, c'est parti! Et le feu, ça lui fait tellement mal. Ah, merde. Oui, exactement, Yoshar, je risque de regarder Sonic 1 en stream. Ok, mais je prends tellement des dégâts pour rien. Crache le feu dessus. Non, je veux pas que tu me prennes, merci. Mais non, c'est ça, je risque de regarder en stream. Donc avec le Amazon Prime, tu peux faire un watch party. C'est comme une espèce de watch together. Et en gros, tu peux regarder le film en streamant sans aucun problème. Donc en gros, ça se fait super bien. J'ai déjà regardé des streams qui font ça, donc en gros c'est pour partager certaines vidéos à regarder via Amazon Prime. Donc ça c'est cool. On a un certain temps pour ça. C'est quand même cool les niveaux qui ont fait qu'on se bat contre différents boss qu'on a déjà battus, mais en plus on a différentes transformations qui sont à travers le temps. Et voilà. Il y a des gens qui vont dire que c'est du recyclage. Moi, perso, ça me dérange à moitié. Parce que rebattre certains boss que t'as déjà battu, mais dans ce principe-là, c'est que tu essaies de faire un build-up à te rendre à quelque chose. Je trouve ça cool. Fait que personnellement, ça me dérange pas tant que ça. On va encore garder le pouvoir du feu parce que là, on va être contre l'arbre. Oh, capsule. Okay. Ça, c'est tellement le genre de petit truc caché, c'est que pour te conditionner, il y a une fleur, tu t'envoies à la fleur, tu trouves un truc en arrière.
Ouais, tu me lances directement ta femme dans la gueule. Moi, là, quand même, a fait une bonne blague le 1er avril. Ah oui, pour de vrai? Une bonne blague dans le sens bonne blague ou une bonne blague dans le sens mauvaise blague? Ouh, l'esquive que j'ai réussi à faire de peur. Ah! J'ai l'impression de jouer à Dark Souls. C'est pas vrai, c'est aussi difficile que ça. Ça dépend, explique-nous ce qui s'est passé, Yashar. T'as tout fou! Tatoufou dead. Non, on peut aller chercher le coffre qui est quand même à droite. 20 Tatoufou à 1 minute 30. Facile. On a fait ça tellement rapidement, ça c'est tellement bien fait. Ouh, ça c'est l'espèce de rouleau. Oui, ça j'aime bien. Non, allez, je vais me transmorpher. Let's go, c'est parti. Wouh! Merde, fallait pas que je sorte ce coup-ci. Denied. Littéralement, je me suis denied, mais comme pas possible. Hop, ici on saute. On saute pas. Je me suis pas fait avoir quand même le deuxième coup. Voilà. Là, il y a le petit truc qui dort, mais on s'en fout. Laisse tranquille. Je m'en fous de l'épée, je vais garder mon truc de feu. Non, rien d'intéressant sauf la bouffe, merci, bye. Oh non, pas la félin. Pas mustigriffe. Je l'aimais pour. Je m'en fous que tu lances tes trucs. Je parle trop vite. Les dégâts que je lui fais quand même à brûler, sérieusement. Quinze secondes le boss? 20 secondes le boss? 25 gros max? Burn de 4! Bon, 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 ça va loin cette histoire. J'ai travaillé de nuit et dehors, ça s'est mis à neiger plein pot. Moi qui n'avais jamais roulé sur la neige, j'avais un peu les pneus lisses, bien sur les chasse-neige, je ne passe pas la nuit, surtout là où j'habite. Ah ouais, donc t'as vécu quand même une première expérience assez demandante de ce que je comprends. C'est sûr que quand t'as jamais conduit la neige, quand t'as jamais conduit avec de la neige, c'est un petit peu plus complexe. Merde, je vais se toucher comme un con. Ton chat est offensé, c'est sûr et certain qu'il y a. Mais je burnerai jamais ton cat. Oh, jamais je ne burnerai. C'est tellement bizarre à dire, de toute façon ça serait comme si c'était un prérequis. Non mais... Merci. Oup! Wouh! Facilement fait. Pourquoi ça va ralentir, merci. Explosion. Ok, on les a tous eus. Ok, on n'a pas battu toutes les boss parce qu'il nous en restait quelques-uns quand même. La petite entrée secrète. Mais vous me prenez pour qui? Comme si je l'avais pas vu. C'est l'avant-dernier monde. Je sais pas exactement c'est quel monde, Yashar. Je suis en totale pleine découverte du jeu. Donc littéralement, j'ai aucune idée. Aucune idée, on est rendu jusque où dans le jeu. Mais j'ai l'impression que c'est l'avant-dernier niveau avant le boss de ce niveau. Fait qu'un truc au milieu, c'était quoi? Aller jusqu'au bout du passage secret. Un passage secret. Waddle Dee en cage. La meute des bêtes... Attends, ça va peut-être nous donner une indice sur quelque chose. La meute des bêtes a réussi à capturer dans une... Non, la meute des bêtes a réussi à capturer... Dans une cage dorée, c'est 3 Waddle Dees. En se coordonnant, ils pourraient peut-être... Non, aucune chance. Ils sont trop déprimés pour faire quoi que ce soit, hormis pleurer pour que quelqu'un vienne à leur secours. Oui, les Waddle Dees.
Wawa, sortez-nous de là. Oui, exactement, ils sont tous en train de pleurer, les Wallabies. Pour moi, les mondes de lave sont jamais les derniers dans Kirby. Non, c'est tout le temps le plot twist. Comme dans Return to Dreamland, t'arrives au truc du don... Ah, c'est pas le dernier, finalement, il y en a un autre. Mais t'arrives au... C'est... Écoute... C'est tout le temps comme ça, les niveaux de lave dans Kirby. Ça fait tout le temps... Oh, je te montre tranquillement que c'est la fin, mais que finalement... C'est pas la fin. Tu te fais avoir.